الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي آخى بين الأرواح واتقوا الله لعلكم ترحمون الحمد لله رب العالمين Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau de prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous donne sa baraka et que Dieu nous donne davantage d'amour pour lui et sa cause, sa descendance également. Nous sommes très heureux depuis un jour, nous sommes aujourd'hui le deuxième jour, le croissant lunaire du mois de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est apparu. Le mois de Rabi'ul Awwal. Notre grand cheikh, Cheikh Ibrahim Elias, radiyallahu ta'ala, anhu disait « Hani'an li Ibrahima, laha hilaluhu, hilalun bada linnazirina jamalu, hilalu rabi'in, fihi ja'a Muhammadun, fatamma lana al-bushra wa amma nawaluhu, biafdal ardin, حل أفضل مرسل بأفضل يوم فاستبان كماله Lui-même il se félicitait, il dit que mon mois, le mois que j'aime de tous les mois est arrivé. Parlant du mois de Rabi'ul Awwal. C'est comme ça que les amoureux du prophète Mohammed se comportent. Quand tu aimes quelqu'un, cet amour t'exige des choses. Ce que la personne aime, tu vas aimer ces choses-là. Ce que la personne déteste, tu vas également détester toutes ces choses-là. Lui, quand il voyait le mois de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement, il était dans une certaine effervescence d'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, ce mois est arrivé. Nous allons donc profiter de ce mois-là, vous parler un peu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre sa mission, il faut le voir dans deux grands aspects. Le prophète Mohammed a reçu la révélation quand il a eu 40 ans. C'est dans ce moment-là que le premier verset de Iqra a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset qui incite tout musulman à lire, à chercher le savoir. Iqra. Mais surtout le savoir qui est lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'aujourd'hui il y a tellement de types de savoir, souvent en quête de savoir même, on peut s'égarer. Mais quand on va vers un savoir qui provient de Dieu à travers son messager, il y a de fortes chances que nous soyons éclairés. Le prophète a reçu cela quand il avait 40 ans. Et la première école du prophète Mohammed a commencé. Et c'était à la Mecque. Il a passé quelques 13 ans et il n'a enseigné qu'une seule valeur que nous appelons la double attestation de foi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il a passé ces quelques 13 ans. Il n'enseigne que ça. Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait derrière cet enseignement-là? Le prophète a compris que l'être humain, c'est un ensemble d'émotions et de pensées. Nos comportements dépendent de ce que nous pensons et de ce qui est dans notre cœur. Et pour cela, il fallait d'abord semer la graine, la doctrine, le dogme. Si ça a pu s'enfoncer dans le cœur, qui est le plus important, ça va influencer notre pensée. Et si ça a influencé notre pensée, alors ça va influencer les actes que nous posons tous les jours.
Voilà pourquoi il n'a pas demandé aux gens prier, jeûner, faites le pèlerinage, payer la zakat. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agissait d'abord. Il fallait d'abord implanter ça au plus profond de nous-mêmes. Accepter la doctrine et le dogme de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah est tellement important que celui qui l'accepte, la personne reconnaît que celui qui est en face de moi là, il est le messager d'Allah. Ça veut dire que si tu acceptes la ilaha illallah et tu te tais, ton cœur lui-même dit Muhammadur Rasulullah. Parce que la ilaha illallah n'a aucune valeur sans Muhammadur Rasulullah. En d'autres termes, celui qui viendra nous dire que lui, il aime Dieu pour nous dire qu'il peut se passer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui dira que ton amour là, je n'en veux pas du tout. Parce que toute personne qui m'aime doit forcément aimer mon bien-aimé qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi les deux sont liés. On aurait pu dire que la ilaha illallah est une attestation et Muhammadur Rasulullah est une autre attestation. On nous la double attestation. Mais pourtant, quand vous regardez les cinq piliers de l'islam, vous verrez que c'est six piliers en réalité. Mais deux piliers ont fait fusion. On dit « Ashhadu an la ilaha illallah » et après on dit « Ashhadu anna Muhammad Rasulullah » mais on te dit que les deux là sont ensemble. Et le prophète Mohammed a veillé sur ça. Pendant des années, ce n'est pas une année, ce n'est pas deux années, ce n'est pas trois ans, ce n'est même pas 10 ans, 13 ans. Il ne fait qu'enseigner ça. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre par là? Je vais vous dire que l'amour de Dieu sans l'amour du prophète Mohammed est impossible. Et n'eût été le prophète Mohammed, aucun d'entre nous n'aurait pu connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous voilà dans le mois de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui sont allés voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça maintenant c'était dans la deuxième école, l'école de Médine. C'est une école qui était remplie de lois. Faites ça, ne faites pas ça. Parce qu'on a sémé la première graine. On a sémé l'amour de Dieu dans le cœur et on a sémé l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déjà dans le cœur. Ils sont arrivés, ils ont dit « Ya Rasulallah, inna nuhibbuk » Ô messager d'Allah, nous là, on déclare qu'on t'aime. Quand ils ont dit cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a répondu sur le champ. Il leur a dit « Qul, in kuntum tuhibbuna Allah » فَتَّبِعُونِي يُحْبُبُكُمُ اللَّهِ. Dis-leur Mohammed, si c'est Dieu qu'ils aiment vraiment, alors qu'ils te suivent. Ainsi, ils auront l'amour de Dieu. Pour dire que moi, Dieu, je n'ai nullement besoin de leur amour s'ils n'acceptent pas de te suivre. Et on ne peut pas suivre une personne sans aimer la personne. En réalité, les gens disent que suivre quelqu'un dans sa réalité veut dire aimer la personne. C'est comme si Dieu était en train de leur dire, vous ne pouvez pas m'aimer sans passer pour le prophète Mohammed et sans aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Dieu a fait de lui un modèle. Et il dit dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Il dit que vous allez trouver dans la personne du prophète Mohammed un modèle parfait. Un modèle parfait. Mais je vous dis, qui n'aime pas la perfection? Tu veux que quand tu sors, tu sois parfait. Tu es le plus beau. Tu es le plus fort. Mais tout ça existe dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu veux le devenir, tu n'as qu'à faire de lui ton modèle. De ce qu'il t'a demandé de faire, fais-le, ne réfléchis même pas. Parce qu'il te guide vers la lumière. Voilà pourquoi il dit « Huwallazi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ila an-nur » Quand vous faites la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Dieu lui-même qui fait la salat sur vous. Regardez quelque chose d'extraordinaire dans le Coran. Dieu dit « Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala an-nabi »
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dieu nous recommande son amour et il dit que lui-même il aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit moi Dieu, la grandeur de Dieu apparaît, la majesté de Dieu apparaît, tout ce qui est enfoui dans la divinité apparaît. Inna Allah, le mot Allah est le nom le plus grand. Il dit moi Allah, je fais la salat. Mais c'est pas comme ça qu'il a dit. Il dit moi et mes anges, comme si Dieu n'a pas suffi. Et c'est comme si les anges n'ont pas suffi. Il dit ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Il dit oh vous qui croyez en Dieu, faites la salat sur le prophète Mohammed. Ce qui nous démontre un peu la grandeur de ce prophète là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas être un bon musulman si tu n'aimes pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'amour a ses exigences. Quand le mois de la naissance du prophète Mohammed arrive, toi, en tant qu'amoureux du prophète Mohammed, qu'est-ce que tu fais pour prouver l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tu t'assois comme ça, tu regardes les gens. Est-ce que tu fais beaucoup de salat sur le prophète Mohammed dans ce mois-là? Mais qu'est-ce que le prophète te recommande de faire? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la seule chose qu'il nous recommande de faire, c'est de tisser des bons liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce lien-là, ça commence par quoi? En faisant de lui notre modèle, parce que le lien le plus parfait avec Dieu était le lien de Mohammed avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Cheikh Ibrahim Niass disait, il dit, « وَهَلْ يَتَعَدَّى حُبُّ غَيْرُ مُحَمَّدٍ فَحُبُّ سِوَى الْمَاحِ الْعَمَايَةُ وَالْفِسْقُ سِوَى حُبِّ آلِ الْمُصْطَفَى وَصِحَابِهِ وَمَنْ كَانَ صِدِّيقًا Mata hashas al haqq. Il dit, peut-on aimer quelqu'un d'autre en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que toute personne que tu vas aimer là, il a des défauts, qui qu'il soit, à l'exception du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce dont tu as besoin là se retrouve chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux voir les qualités divines? Regarde le prophète Mohammed, tu vas trouver ces qualités là en lui. L'amour du prophète Mohammed est une condition de foi. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes célèbrent le Mawlud. Le Mawlud n'est rien d'autre qu'une autre manifestation d'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui n'est pas hypocrite, qui aime vraiment le prophète Mohammed, va se sentir obligée de faire quelque chose dans ce mois-là pour manifester son amour vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car la seule porte qui mène à Allah, c'est la porte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kullu mru'in wa fahu min ghayrika la yadkhulu. Toute personne qui veut entrer vers Dieu sans passer par Mohammed, Dieu lui ferme la porte, il ne peut pas rentrer. Faisons l'effort de copier le prophète Mohammed. Faisons l'effort de faire beaucoup de salat sur le prophète Mohammed afin d'attirer vers nous les qualités mohammediennes. Car ces qualités sont là. C'est toute qualité de bonté que tu vois dans l'existence là provient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il a dit innama anal qasim wallahu subhanahu wa ta'ala huwa al-mu'ti. Il dit moi que vous voyez là, je suis le distributeur. Tout ce qui vient de Dieu en termes de vertus et de qualités, c'est par moi que Dieu passe pour distribuer ça aux êtres humains. Celui qui veut une bonne qualité, une grandeur, assez de lumière, le prophète est un modèle pour toi. Et il est proche de tout le monde. Et pour cela, Dieu nous dit, « Wa'alamu anna fiikum rasulallah. » Sachez qu'en vous-même, là, Mohammed existe. Il est dans le cœur de tout le monde. Mais on l'entretient avec l'amour. Quand ton amour pour lui devient grand, alors l'étincelle mohammedienne qui est en toi commence à envahir ton être. Et quand on te regarde, on a l'impression d'être devant Mohammed. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand tu les vois, tellement la lumière mohammedienne a envahi ces personnes-là, tu as l'impression d'être devant Mohammed. Soyez tous des Mohammed en développant votre amour pour Mohammed et en faisant du prophète Mohammed votre modèle. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا وأنا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلت أو ريب أو شك أو تعجيل التلاوة أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إيراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحزب من كل الإلهام فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ورزقنا فلمن قراه مواديا حقه مع العداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تكفنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بإناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل سمن سناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوة وبالذال زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقاء وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالظاء زفرة وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاها وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرى وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عاما وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة